explique pourquoi les gens que tu croiseras ne sont vraiment là. On dirait le Paris de la fin du 19e. Voilà un Paris que j'aimerais bien visiter. Ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, tu dois rejoindre le portail de sortie. Mais je ne vois aucun chemin. Essaie de trouver un trajet souterrain. Tu ne trouves pas que le Paris de la Belle Époque est beaucoup plus propre que celui de la Révolution? Et je parie qu'on y guillotine moins. Ce secteur devient instable. Fais demi-tour. Tu dois descendre sous la surface. Dépêche-toi! Énergie instable. Impossible de savoir quel effet il aura sur la simulation.
dirais que tu vas devoir escalader la Statue de la Liberté. Elle doit provenir d'une autre période. Les Français devraient déjà l'avoir envoyée outre-Atlantique. Je vais faire ce que je peux pour l'empêcher de se refermer. On se retrouve de l'autre côté. N'a pas ta chance pour leur premier passage entre serveurs. Parfois, nos initiés restent coincés dans le système, et on est obligé d'envoyer quelqu'un comme toi pour les sauver. D'ailleurs, l'un de nos initiés vient de se faire piéger dans un serveur de la Belle Époque. S'il te reste des forces, tu peux retourner là-bas pour le ramener. Très bien, c'est reparti, initié. Ils n'oseront jamais... Comment vas-tu, mon ami? Aujourd'hui, les paroissiens ont trouvé un corps à Notre-Dame. Les plaisantins l'appellent déjà le pénitent. J'en conclus que justice a été rendue? Pas encore. Siver avait un complice la nuit où Monsieur de la Serre a été assassiné. C'est lui qui a porté le coup fatal. Cela soulève des questions troublantes. Qu'as-tu appris? Il a agi avec un homme appelé le roi des thunes. Le roi des mendiants? En es-tu sûr? Vous le connaissez? De nom. Les mendiants lui versent tribut. Mais cet homme est un fantôme. Nous avons envoyé 3 assassins à ses trousses. Les 2 premiers n'ont rien trouvé. Le 3e... n'est jamais revenu. Je peux le trouver. Siver a parlé à l'un de ses lieutenants. Je dois à la mémoire de Monsieur de la Serre de découvrir la vérité. Peut-être en es-tu capable. Tu as fait tes preuves en tant qu'assassin aujourd'hui. Et un assassin doit être muni des bons outils. Donc si je comprends bien, la lame secrète et les bombes fumigènes, c'était juste un avant-goût, c'est ça? La lame fantôme. Une modeste amélioration de la lame traditionnelle des assassins. Là où tu dois aller, tu devras rester à distance de tes ennemis. Très bien. Assassin, ce conseil t'ordonne de te rendre à la cour des miracles. Trouve le Templier qu'on nomme le roi des thunes. Découvre ses secrets et apporte-lui la paix.
Arnaud. Pas diverti ? En voulez-vous plus ? Plus fort, je ne vous entends pas ! Il s'est approché ! Au voleur ! À l'aide ! Où sont les gardes ? Allez, une dernière tournée ! Je ne vais pas complètement dire. L'important, c'est de se donner des... C'est bien que les choses évoluent. Mais enfin, regarde un peu les gens. Bien, je me suis jeté en cours. Perdre mon temps. Un divertissement intéressant. Hé, hey, comment vas-tu, vieil ami? Puis-je? Ça me recoule. Sinon, je pourrais lui donner des épices, quoi. Tu ne le sais juste pas encore. 4 sous! 4 sous pour le meilleur des nouvelles! Un peu de patience, l'ami. Quelqu'un des sacs! Il y a quelqu'un? Passez par derrière! Occupez-le! Je ne suis pas un lâche! Y a-t-il Il ne va plus tenir très longtemps! Je vous couvre! Mon Dieu! Laissez-moi aller! Je suis ici par hasard! Je vais passer simplement! Oui, c'est ça! Non, je ne suis pas la contente! Tuez-les tous! Jusqu'au dernier! Des barbares.
de la folie! Vous avez l'air malade. Tout sauf mourir ici. Voleur! Voleur! À l'aide! Je t'y vole! Que quelqu'un l'arrête! Où est-il passé? Pourquoi ne t'as-tu jamais de garde quand on a besoin d'eux? Que j'espérais voir. Ils n'ont pas fait de quartier.